Investi dans de nombreuses organisations humanitaires et grand amoureux de la France, l'acteur américain George Clooney s'est montré particulièrement généreux avec une commune du Var après d'importantes inondations à l'automne 2021, selon les informations de France Bleu Provence, relayées samedi 14 janvier 2023. On connaît la générosité de George Clooney, attentat du 11 septembre 2001, génocide au Darfour, ouragan Katrina à la Nouvelle-Orléans et plus récemment lutte contre la pandémie de Covid-19. L'acteur, également à la tête de sa propre association, utilise volontiers sa notoriété pour lever des fonds et se mobiliser pour de nobles causes. On sait aussi l'amour qu'il porte à la France, puisque lui et son épouse Amala Lamudin sont, depuis le mois de juillet 2021, les heureux propriétaires d'une immense demeure située à Brignoles, dans le Var. Alors quand la région se trouve être victime de violentes intempéries, elle peut compter sur la grandeur d'âme du couple de vedettes. George Clooney, une star philanthrope qui pourrait résister aux beautés de la Provence et de ses splendides paysages immortalisés par les plus grands peintres? Une région visiblement prisée des stars hollywoodiennes, car le château de Brad Pitt, confrère et ami des Clooney, ne se trouve qu'à une quinzaine de kilomètres. Seulement, le sud de la France n'est pas uniquement synonyme de calanques et de champs de lavande mais aussi de conditions météorologiques particulièrement violentes. Orages intenses, tempêtes, inondations. Ces dernières années ont vu les catastrophes naturelles se multiplier et le Var a fait partie des départements les plus durement touchés. En octobre 2021, des pluies torrentielles s'y étaient abattues, multipliant les dégâts dans de nombreuses communes, dont celle du Val, dans le Var. Au lendemain du drame, alors que les quelques 4,000 habitants évaluaient les dégâts, un soutien inattendu s'est manifesté. Si est-il important que les sinistrés sachent qui a fait ce don de quoi faire la joie du maire, Jérémy Giuliano, qui révèle plus d'un an après les faits l'identité du généreux donateur au micro de France Bleu Provence, dès le lendemain des inondations, nous avons reçu un message indiquant que George Clooney voulait nous contacter. Ce qui a abouti à un don de 20,000 €. Pas question pour la municipalité ni pour l'acteur de médiatiser ce beau cadeau, qui aura permis de loger des sinistrés pendant 6 mois, le temps de nettoyer leur maison, de se remettre en ordre de marche aussi. Aujourd'hui, l'élu milite pour faire connaître le nom du très célèbre bienfaiteur, car si est-il important que les sinistrés sachent qui a fait ce don. Alors, à quand George Clooney citoyen d'honneur du Val? À lire aussi George Clooney va bientôt habiter dans le sud de la France, découvrez sa somptueuse future maison.